Aurèle, Oui, comment comment tu tu vas? vas? Ça va, je sais pas. Mais ça fait un bail, hein. Mais tu as finalement pris la décision de venir me voir? Bon, tu m'excuses, hein. Je suis venue voir un certain Abyss qui est dedans. Abyss, Oui. celui qui est venu du village avant-hier là. Peu importe, mais c'est lui que je suis venue voir. Moi, je suis ici, je te drague depuis des mois. Et d'abord, tu connais Abyss comment? Oh. On s'est rencontrés hier. Hier soir, on a discuté et puis tout. Donc, Et... si toi-même tu regardes bien la logique, moi je te drague depuis des mois et tu n'es même pas venu chez moi une seule fois. Et à peine Abyss vient du village et puis tu viens chez moi, il n'est pas là. Abyss n'est pas là. Il n'est pas là, comment? Il m'a pourtant dit qu'il est ici, non? Je Qu'il dis, reste dans il la n'est pas maison, là. non? Mais... Cousin. Regarde comment lui là, il danse. Chez nous au village là, les gens dansent plus que ça. Hein. Les gens dansent plus que ça. Hein? Pourquoi t'as changé? Je suis un match. C'est le Real, hein. C'est mon équipe. Pourquoi tu es à la télé? Je vais me reposer. Je vais au champ alors. Ok. Ah, Abyss. Ah, Aurèle, ça va? Je peux entrer? Viens, viens. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. J'étais venue chez toi ce matin, on m'a dit que tu n'étais pas là. Tu étais allé où? Mais j'étais dedans. Ah, c'est toi que je cherchais, j'ai pris un copain ici. Ah bon, j'étais là ce matin. On m'a dit que tu n'étais pas là, ça m'a paru bizarre. C'est vrai, tu n'as pas vu mon cousin là. J'étais dedans, je regardais la télé. Mon cousin a dit que tu n'es pas là. Hein? Il a fermé le portail. Mais tu me cherches pourquoi? En fait, je t'apprécie bien, tu sais. Depuis la première fois que je t'ai vu, j'ai su que tu es quelqu'un de bien. Ah bon, c'est à peine 3 jours maintenant que j'ai quitté le village pour Cotonou. Oui, mais moi, ça ne me dérange pas. Moi, Moi, je t'apprécie bien, plutôt. Je ne sais pas, mais je voudrais être ton ami. tu veux être mon ami? Oui. J'ai quitté mon village maintenant pour Cotonou pour chercher l'argent. Non, t'inquiète. C'est bon. Tu me plais bien. Encore, on va voir. Je vais appeler ma maman au village pour l'expliquer. Je vais t'attendre. C'est possible que je t'attende, non? Je vais t'attendre et tu vas finir, c'est bon? D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, j'ai fini. Je Ah, rentre chez tu as moi. fini. Oui. Je rentre à la maison. Je vais te suivre et rester un peu avec toi. Tu veux rester un peu avec moi? Oui. Il n'y a pas de souci. Ok. Sinon, chez nos villages, là, à Cotonou, il y a plein de choses qu'on voit ici, qu'on ne voit pas au village. Comme... Je suis là. Depuis que moi je t'attendais, c'est maintenant que tu viens, tu trouves ça sérieux. Oh, pardon, si tu veux dire quelque chose là, faut dire. Bon, Moi, je bref. suis pressée. Ce que je ne comprends pas, il y a quoi mon cousin et toi et depuis là, vous fricotez. Aurèle, qu'en est-il de notre relation? Je te pose une question. Je t'ai promis beaucoup de choses, toi, mais tu sais, ça fait des mois que je suis en train de te draguer. Tout ce dont tu as besoin, je peux te l'offrir, toi, mais tu sais, il y a les moyens pour ça. Je ne sais pas pourquoi tu me fais ça maintenant. Et c'est avec mon cousin venu de nulle part, le villageois là, que toi du tout. Je ne comprends pas. Là même là, Abyss est là. Est-ce qu'il va bien? Il a déjà mangé depuis le matin.
Attends, moi, je te parle de nous, de toi, tu me parles d'Abyss. Parce qu'on est censé se voir, mais depuis là, je n'ai pas de ces nouvelles. Tu es celui qui va bien. Ou bien, bon, d'ailleurs, tu sais, moi, je vais voir Abyss. Moi, je te parle de nous et tu me parles d'Abyss. Abyss, as-tu pris? Oui, cousin. Bon, moi, je vais déjà au boulot. Ah, tu vas déjà au boulot? Ouais, mais le soir, il se pourrait que je ne rentre pas. Tu ne rentres pas le soir? Non, on a une affaire à gérer dans l'autre bout de la ville. Il n'y a pas de souci. Donc, si tu finis, tu fermes bien. Non, je vais fermer, je vais fermer. Je compte sur toi. Non. Attends, je rêve ou quoi? Hein? Cousin, tu es rentré tôt, hein, c'est quoi? Quand je ne suis pas là, tu te permets le lit de la ramener chez moi jusqu'à vous dormez ensemble, ça veut dire quoi? Elle vient dormir ici des fois quand je vais au boulot, je ne comprends pas. Non, tu exagères. Je crois que c'est mieux que tu rentres à la maison. Il faut rentrer à la maison. Il y a mes sous dans la chambre. Attends, je t'annonce. Eh, range devant moi. Tu es tombé enceinte. Hein? Est-ce que tu as parlé de moi à la personne? Tu lui as dit qui je suis? Hein? Marche vite, dépasse-moi. Il n'est pas là. Frappe le portail là-bas, il n'est pas là pour moi. Frappe bien. C'est qui? C'est moi. Hein? C'est quoi, monsieur? Vous avez peur de quoi? Bonjour, maman. Vous avez bien sorcier. Et bien, il y a quoi? Il se passe quoi? Je suis enceinte. Aïe. Mais tu pourrais me dire ça, non? Maman, rentrez, maman. Rentrez où? C'est Aurel, elle est enceinte de moi. Moi, j'ai été fait venir du village là. C'est pour venir chercher femme ou bien c'est pour venir travailler. C'est Aurel, c'est ma copine. Tout le... Et tu dis à Aurel de rentrer chez moi. Aurel, toi, je t'ai cherché dans ce quartier là. Toi, tu as fait quoi? Tu m'as régné dans ce quartier, non? Maintenant, tu veux rentrer qui avait la grossesse de qui? C'est ma grossesse. C'est pour moi. Tu vas aller au village avec la grossesse ou bien tu vas rester chez Aurel. Cette grossesse ne rentre pas chez moi. Aurel, moi, je t'aime. Mais tu sais que je t'aime et que je suis prêt à tout faire pour toi. D'où sort? C'est l'amour que tu as. C'est qui celle-là? C'est ma belle-mère. Maman, calmez-vous. On va parler entre hommes. Tu reviens. Tu vas où, Abish? J'ai dit, tu n'es plus là, bienvenue chez moi. Tu n'as pas. On va parler entre nous. Abish, je vais te faire du mal. Hein. Comment me faire du mal? Abish, reste tranquille. Abish, reste tranquille. Je le blague. Abish. Abish, qu'on a ce culot. Mais bon, je vais bloquer. Kofi. Cousin. Maman. Et ce qu'on va faire, je suis l'auteur de ça, quoi. Donc, je vais chercher une maison là où on va rester, maman. C'est pour un temps. D'ici une semaine, je vais venir occuper ma femme chez vous. Ouais. Je vais venir occuper chez maman. Donc, d'accord. Je cherche du boulot. Je n'ai pas encore eu le boulot, maman. Ce qu'on va faire, c'est simple. Moi, j'ai de l'espace à la maison. Donc, c'est ma fille. Je ne peux pas la laisser dans n'importe quelle condition. Donc, vous allez prendre vos affaires et vous venez vous installer chez moi. Ah, le temps que je vous trouve un boulot. Merci, maman. Vraiment, merci, maman. Merci, maman. Oui, vraiment. Merci, maman. Tu veux... Kofi, je vais occuper ma valise. Allons-y. Vous allez repasser après pour prendre vos affaires. On y va. Ah, Ben, s'il te plaît, aide-moi. Je veux vendre ma télé. Tu veux vendre ta télé? Oui. Toi, le riche, tu as vendu ta maison, tes voitures. Aujourd'hui, en location, cette télé, tu trouves encore à vendre. Mais il y a quoi? Tu veux vendre télé? Et tu veux vendre ça à combien? Je veux vendre ça à 100 000. 100 000? Si je te donne trop, c'est 50 000. Ouais, je te donne 50 000. J'ai un problème de loyer à la maison. Il y a mon monsieur qui m'attend à la maison. Hein? 50 000 là, c'est pas bon. Loyer.
Donc, c'est à cause de loyer que tu vends la télé. Bon, ce qu'on va faire, je vais te donner 70 000. C'est mon dernier mot. Oh, viens, viens. Il y a les 70 000 là. Oui, j'ai l'argent. Oui. Ah, un instant. 70 000. Bon, 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 bon. Je viens de compter, mais malheureusement, ça n'atteint pas les 70 000. Ah! J'ai 60 000 là. Une différence de 10 000, c'est pas quelque chose. Toi aussi, regarde, c'est pas petite télé. Bon, je vais partir. Hein. Non, comment tu vas partir? L'argent est déjà là, non? D'accord, prends, prends, prends. D'accord. Hein. On gère comme ça, 60 000, c'est pas. Bon, si c'est. J'ai déjà pris là-bas. Oui, j'ai pris là-bas, monsieur. Ah, oh, là-bas. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ah, vous êtes là depuis longtemps? Oui. Ah, j'ai pu trouver un peu d'argent. Hein. Comment un peu d'argent? Tu dois 6 mois de loyer, non? Oui, oui. Et pourquoi tu dis que tu as trouvé un peu d'argent? Tu as trouvé tout, mais tu as trouvé un peu d'argent. J'ai trouvé quelque chose. Comment ça? C'est toi qui ne payes pas le loyer et c'est toi qui amènes les femmes gros fesses ici. Pour, et jusqu'à les filles à bagarre ici, on m'appelle pour me dire ça. Ah, s'il vous plaît. Je ne touche pas l'argent là. Hein. Je ne touche pas. Hein. D'ailleurs, peut-être même, il m'a appelé, il dit qu'il est là. Il est déjà arrivé de voyage. Donc, il vient tout de suite ici. Si seulement vous saviez les sacrifices. J'ai déjà pris l'argent là-bas. J'ai pris l'autre côté aussi. C'est toi, s'il te reste. C'est toi qui fais bagarre dans la maison. Tu sais que tu ne trouves pas l'argent payé et c'est toi qui amènes les femmes professeurs. C'est quoi ça? S'il vous plaît. Je ne touche pas l'argent. Hein. D'ailleurs, même voilà. Il est déjà là. Il est déjà là. Le propriétaire est déjà là. On va régler ça avec lui. Tu vas ramasser tes affaires aujourd'hui pour quitter ici. S'il vous plaît, pour négocier avec lui. Lui, là, il ne s'amuse pas. Il n'est pas n'importe qui. Il faut plaider mon cas auprès de lui, s'il vous plaît. Je vais payer. D'ici le mois prochain, je vais payer tout le reste. Tu sais, moi, je ne sais pas quoi dire dans ton cas. Tu vas aller parler. Monsieur, c'est le cam. Eh, bonjour, bonjour. Tu n'as pas fini. Depuis, j'attends le firmo. Je n'ai pas trouvé le firmo. Oui, c'est petit là. C'est lui qui dérange depuis. Il ne paye pas le loyer. Depuis 6 mois, il ne doit pas le loyer. Mon fils. Abyss. Ah, cousin. Mais c'est quoi? Abyss. Tu fais quoi ici? Mais c'est ici, j'ai loué. Comment? Ne me dis pas, c'est quoi? Comment tu peux louer ici? Et ta maison? Et ta voiture? Bon, Abyss, il faut laisser l'affaire là. Quelle affaire c'est ici? Il y a des situations. Bon. Et là où tu travaillais là, dans le temps là, quand il était venu chez toi, là où tu travaillais là. Il a tout fermé. C'est mon cousin, il m'a renvoyé à cause de. Tu te souviens d'Aurel, non? Oui. Mais il m'a fait deux enfants, mais là, Aurel? On est toujours ensemble. C'est mon cousin, c'est lui qui m'a fait venir pour ton nom. Il ne paye pas le loyer, d'ailleurs, donne-moi l'argent là. Non, tu vas payer le reste là après. Comme c'est... Lui, c'est de la famille. C'est mon cousin. Bon, il ne paye pas le loyer. Tu n'as même plus besoin de payer la maison. La maison m'appartient. C'est ma maison. C'est mon UC. Tu sais, vas-y. Va l'occuper pour les autres. Si c'est chez moi, c'est ma maison. C'est pas parce que tu m'as chassé de chez toi que je ne veux pas te laisser vivre dans la maison. Et ta maison, là où on vivait, là, ta voiture. Mais comment tu as fait? Je ne peux même pas te parler. Je ne peux même pas parler à dessus. Après, j'aurai le temps de t'expliquer. Vraiment, cousin, le monde est petit, hein? Vraiment. Et toi, comme ça aujourd'hui? Vraiment. Et comment toi, tu as pu réaliser tout ça? Hein? Non, c'est grâce à ma belle mère. Tu sais, dans le temps, elle m'a amené chez elle, elle m'a trouvé de boulot. Après, grâce à Dieu, ça a changé.